sommes aujourd'hui pour du F4F X, la licence Zelda Breath of the Wild avec Darok version Ultimate Deluxe lumineux. Darok du coup sur deux versions, 129 ans de la version régulière, 139 ans de la version DX lumineuse. Alors je vais pas vous mentir, il est lumineux certes, mais il y a un câble USB-C 3 qu'on n'a pas à côté de nous malheureusement, ça c'est chiant, et que les câbles sont morts, bonne fête de fin d'année, mais le socle du coup est entièrement lumineux, c'est la seule différence. Ça ne change pas grand chose en même, mais c'est toujours cool pour 10€ plus cher, ça fait le café. Mais la statue est balèze, qu'on regardait bien à côté de nous, c'est un gros Darok, personnage du coup qui a pris du temps à sortir puisque il n'y a rien du dernier Zelda, mais par contre Breath of the Wild, ils sont toujours dessus en train de... Et il serait temps que ça se termine, hein. Bah normalement c'est fini parce que là on a clôturé avec le Link qui est derrière à cheval et ça l'est sorti juste avant. Il n'y a plus de précommande PVC. C'est fini. Ouais. Les prochaines préco c'est du Darksiders avec les bustes. Donc voilà. Voilà. Mais après donc j'espère qu'ils vont venir en force avec le nouveau jeu. Je sais pas fait, ça s'appelle comment le nouveau jeu, je sais plus. Tears of Kingdom. Voilà. Donc c'est cool d'avoir là, bam, 3 préco, 2 PVC, une résine et c'est parti quoi, tu vois. Moi, j'espère... Là t'en rêves beaucoup. Bah moi j'espère pour les gens qui sont fans, moi je m'en fous, je joue pas à Zelda. Mais la statue, encore une fois F4F fait un travail de fou. Le visage, le travail de design, la... tout est nickel. Chercher son bassin, enfin vraiment en gros bide. Tiens ma pelle. Si, il manque juste les roulettes. Ouais. Désolé, t'as commencé. Mais, je dis. Sincèrement, encore une fois, F4F. Et tu veux que c'est sous Zizi? Non, c'est justement, c'est un boutroule. Là. Mais en fait, il a T'appelles ça aussi une boutroule? Personne n'appelle ça un nombril, non, les gars. Non, si c'est un nombril, ah. Mais quand ça reçoit, c'est une boutroule. Je trouve ça, ouais, je sais pas. C'est comme le T-Chai, voilà. T-Chai? T-Chai, ça veut dire T. Bah, dans Spider-Verse, c'est Spider-Man. Tu te rappelles le Spider-Man indien oui. Là qui dit mais pourquoi T-Chai, ça veut dire T? DT, dans l'air. Tu te rappelles pas? Ok. Bah, vous trouvez nombril, c'est pareil, sauf que c'est, pour moi c'est entrée extérieure, tu vois. Nombril. Zizi, pas Zizi. Ouais, mais ça se dit pas devant les enfants. Mais encore une fois, ce Darok est vraiment bien. Pas de débordement de couleurs, sorti assez rapide, vraiment cool. Et c'est impressionnant de voir une si grosse statue à ce prix-là. C'est vivant. Bah oui, parce qu'il est jovial, il a sa grosse épée. C'est bien. Alors. C'est cool parce que tous les mêmes ont un socle, mais ça m'a toujours un peu fait chier qu'ils aient pas une version normale socle comme ça, il y a une version avec de l'herbe. Un peu de décor. Un peu de décor, comme une résine. Mais pareil, en résine, bah, ils ont pris du temps à sortir celle-là, il n'y a rien d'autre. Heureusement. Non, franchement, c'est bien qu'il y ait un one-shot en résine où tu mets le budget. Si tu as peur du temps, les gens qui demandent du Zelda, ils ont pas trop leur bien, budget, c'est grand max 200 balles. C'est vrai que Zelda, c'est comme Harry Potter. Les gens adorent, mais 20 balles. Mais réellement. Regarde, il y a Harry Potter, tout le monde s'en va les steaks. Et celle-là, non. Tout le monde s'en va les steaks. Non. Si, bah, oui, il a pas les précommandes, mais là les gens font ah c'est bon, 800 euros. Par contre, Batman 2000€, oh ouais, j'achète. Ils ont pas de goût. Je sais pas. J'ai rien à faire pour vous les gars. Mais cette F4F est vraiment cool, donc Darok de chez F4F. Encore une fois, pour cette année, F4F nous a vraiment régalé. On a eu plein de belles statues. Moi, j'ai adoré les Darksiders, surtout la NES qui est sortie récemment. On a des belles pépites à sortir, autant Metroid, il y a Metal Gear Solid à sortir chez eux, du Darksiders, il y a beaucoup. F4F, par contre, là c'était un peu tempo, mais là quand ils vont sortir, ça va. Faire mal, ouais. Bam bam bam. Donc voilà, si vous êtes intéressé, elle est dispo en magasin sur le site comme à chaque fois. Là, il n'y a même qu'une fois, mettez un compte, bah, vous envoyez un message. Mais une fois que c'est payé, comme d'habitude, merci à tous ceux aussi qui l'ont recommandé pour les fêtes. On les a reçus avant les fêtes, on en a vendu énormément. Ouais. Alors que je me dis, Darok, tout le monde s'en fout. Ben, eh ben non. Je pense qu'ils ont dit, c'est gros, c'est pas cher, j'achète. C'est passe partout. C'est passe partout. Avec mon. De Fort Boyard. C'est ça. Bah ouais, on dirait même un Gérard Depardieu. Quelque plus. Non. Pourquoi? Ah, t'es pas au courant de la polémique? Désolé, je voulais pas, je savais vraiment pas. Moi je me suis arrêté à Astérix et Obélix, c'était à Fort Boyard. Ouais. Ok, d'accord, désolé. Je m'arrête ça. Mais voilà, un magnifique Darok dispo au magasin. Encore une fois, merci de votre confiance et de votre amour. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!